a eu quand même un peu de mal au début, mais c'était important de faire un bon match et de gagner, de retrouver le public, le stade. Il y avait un peu de pression au début, mais à la fin, on a su se relâcher, se débrider et envoyer du jeu. Et finalement, on a réussi à gagner, donc ça fait du bien. On est resté, même si on prenait des points, on est resté soudés, on est resté calme, patient. On savait que ça allait être un match qui allait se gagner sur la durée. Voilà, on ne s'est pas affolé, on est resté maître de notre propre jeu. Et au final, ça a bien payé, même si tout n'a pas été parfait. Ouais, je crois qu'on était sur la continuité de notre mauvaise seconde mi-temps au Racing. Contre le vent, ça a été pénible. Les 2-3 fois où on va dans leur 22, on perd le ballon, on ne score pas. Eux, contrario, ils marquent un essai plein d'opportunisme. Mais bon, la bonne chose, c'est qu'on n'a pas douté. On a essayé de rester collé au score. Et puis en seconde mi-temps, avec le vent, on a essayé de mettre nos jeux en place. Mais un grand coup de chapeau à nos avants aujourd'hui, parce que ne serait-ce qu'à mêler sur les ballons portés, ils leur ont fait très mal et nous, ça nous a beaucoup soulagés. C'est ce que Christophe nous a dit. Maintenant, il va falloir bien récupérer, parce qu'on a laissé des plumes quand même en première mi-temps. Et puis on a un très très gros morceau qui vient la semaine prochaine. Et il va falloir faire un match entier maintenant. On a fait la première mi-temps au Racing, la deuxième aujourd'hui. La semaine prochaine, il faut si on veut que ça nous sourie, il faut faire un match entier.